Hey, c'est tout le monde, c'est Ultor, j'espère vraiment que vous allez tous et toutes très bien, pour ma part ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dont je n'ai pas l'habitude de faire, un concept que je n'ai pas l'habitude de faire. Dans cette vidéo je compte répondre à une question qu'on m'a pas mal posé tout ça, et vu que j'avais pas réellement d'idée de vidéo, j'ai décidé d'en faire une vidéo de cette question. Pourquoi je n'arrête pas BO2? Ou du moins, est-ce que je vais arrêter BO2? C'est une question qu'on m'a déjà pas mal posée et que je répondais en fait en disant non, clairement. Mais sans approfondir le sujet, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. D'ailleurs, vous avez pu voir la nouvelle intro qui m'a été faite par TRX Reiko, voilà, merci à toi frérot. Sa chaîne est dans la description, en plus il fait des intros gratuites, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir et aller vous abonner. Bref, nous pouvons désormais attaquer le sujet de la vidéo. Est-ce que j'arrête BO2? Est-ce qu'un jour, du moins, j'ai arrêté BO2? Tout simplement, pour moi, pour l'instant, la question est... Pour moi, la réponse est non, clairement. Alors pourquoi, certains me diront, parce que Black Ops 2 c'est un Call of Duty qui m'a marqué, un Call of Duty qui me tient vraiment à cœur, parce que ça a été vraiment un Call of Duty auquel j'ai vraiment joué. J'ai pas commencé sur ce Call of Duty, j'avais commencé sur Black Ops 1, mais j'ai commencé avec ce Call of Duty, mais j'avais commencé en 2012 qui a été la sortie de Black Ops 2. Donc j'ai pu, on va dire, un peu plus approfondir Black Ops 2, et vu que j'étais trop jeune pour faire des vidéos, j'en ai pas fait, et je m'étais promis que le jour où j'aurai une chaîne YouTube, je ferai énormément de vidéos sur Black Ops 2, parce que c'est un Call of Duty qui me tient vraiment à cœur, parce que je le connais vraiment par cœur, j'ai tout dessus, j'ai pratiquement tout, parce que j'ai pas tous les camos, mais bon. Et donc voilà, et c'est un Call of Duty qui me tient vraiment à cœur, c'est pour ça qu'en fait je fais énormément de vidéos et de lives dessus. Pour entre guillemets satisfaire le mois d'il y a 5 ans, voire 6, même maintenant qu'on est en 2018. Parce que voilà, YouTube, quand j'ai commencé, en fait, je n'avais pas directement d'Avermedia, donc je pouvais pas directement faire des vidéos sur Black Ops 2, c'était surtout des commentaires. Mais quand j'ai eu mon Avermedia, franchement, j'ai fait énormément de vidéos sur Black Ops 2. Là, à mon actif, je dois avoir 260 vidéos sur ma chaîne, et sur les 260, sans mentir, j'ai dû sortir à peu près 200 vidéos sur Black Ops 2, sans abuser. Parce que Black Ops 2, voilà, c'est tout simplement que le petit qui tient à cœur, je sais que je me répète, mais bon, j'ai vraiment besoin que vous le compreniez, en fait. Voilà pourquoi je n'arrête pas Black Ops 2, voilà pourquoi je continue de faire des vidéos sur Black Ops 2, même si c'est des vidéos sur d'autres Call of Duty de temps en temps. Mais surtout sur Black Ops 2, pourquoi c'est des lives sur Black Ops 2? Parce que voilà, je m'étais promis vraiment quand j'étais un peu plus jeune de faire des vidéos sur ce Black Ops 2, parce qu'il m'a énormément marqué par les vidéos, par certains youtubeurs, tout ça, Warteg, MCLV12, Diablex9, Godaga et tout. Et tout le tralala que vous connaissez pratiquement tous et toutes. Et moi à l'époque, en fait, je voulais vraiment faire des vidéos comme eux et tout, mais parce que c'était la bonne époque de YouTube, c'était là où YouTube, on faisait ça surtout parce que c'était une passion, pas pour l'argent ou pas pour la notoriété ou quoi. Enfin, pour l'argent c'était un peu, mais pas pour la notoriété, on n'était pas là à faire des vidéos prank ou je ne sais pas, un spinner ou quoi. Bref, vous connaissez un peu la mode qu'il y a sur YouTube ces derniers temps, enfin ces derniers temps, un spinner ça date il y a presque un an, mais bon, vous m'avez compris. Et voilà, ça me tenait réellement à cœur de consacrer ma chaîne à Black Ops 2. Certains me diront oui, mais tu peux continuer de faire des vidéos sur Black Ops 2 et faire des vidéos surtout aussi sur d'autres Call of Duty ou même sur d'autres jeux. Oui, c'est ce que je fais, sauf sur d'autres jeux. Alors on m'a aussi pas mal demandé de faire des vidéos sur Fortnite, on m'a demandé pas mal de fois. J'en ai fait qu'une seule et franchement, honnêtement, j'ai pas vous mentir, je me suis pas énormément amusé à la faire. Je sais que certains veulent me voir sur Fortnite et tout, surtout que moi sur Fortnite je suis un très gros rageux. Mais bon, en fait je me vois pas faire deux vidéos par semaine sur Fortnite en mode ouais on va tenter de top 1 ou quoi. Je trouve que Fortnite, en fait, il y a pas énormément de choses à faire clairement dans le jeu. Le but c'est surtout de faire des top 1, mais tu peux lancer des petits défis, top 1 au pistolet, top 1 en lance-roquette et tout tralala. Mais je trouve qu'il y a pas réellement de concept que je peux faire, de nouveaux concepts en fait que je peux faire sur Fortnite, même si sur Call of Duty Black Ops 2 je ne fais pas de nouveaux concepts, j'ai pas d'un concept qu'à moi. Peut-être les jeux d'armes à l'ancienne que j'ai un petit peu arrêté. Sinon j'ai pas réellement de concept à proprement parler. Mais bon, Black Ops 2, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à faire. Call of Duty en général, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à faire que sur Fortnite. Même si sur Fortnite, je passe plus de temps sur Fortnite que sur Call of Duty. Mais c'est pas pour autant que je préfère faire des vidéos sur Fortnite que sur Call of Duty. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc voilà, peut-être de temps en temps sortirai exceptionnellement une vidéo sur Fortnite ou quoi. Mais vraiment, je préfère continuer Call of Duty, parce que voilà, j'ai commencé Call of Duty, j'ai commencé YouTube avec Call of Duty, je continuerai avec Call of Duty. Et donc voilà, donc ça m'a fait en fait du bien entre guillemets de répondre à ces questions. Je sais que la vidéo est assez spéciale, est assez particulière, que c'est la première fois que vous verrez ça sur ma chaîne et que ça sera peut-être sûrement la dernière. Mais bon, j'avais pas réellement d'idée de vidéo et je me suis dit putain, faudrait que je réponde à cette question pour ceux qui se demanderaient entre guillemets. Et donc voilà, donc n'hésitez pas aussi en commentaire à me proposer des idées de vidéos. J'aurai sûrement des modes menus et tout. Je sais que j'ai le 1v1 en jeu d'armes que je dois faire avec Mister Wim qu'on va très bientôt tourner. Petite dédicace à toi frérot. Donc en espérant vraiment que c'est lui où vous aura plu, en espérant vraiment que j'ai répondu à votre question, du moins que j'ai pu. Si jamais vous avez encore d'autres questions, n'hésitez vraiment pas, je répondrai vraiment à toutes les questions. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, c'est tout mélangé. Et on se dit à la prochaine, les amis. Désolé, je suis un petit peu fatigué, je rentre de cours. Et voilà, j'avais envie de faire ces vidéos, donc m'en voulez pas. Et donc voilà, au moins j'aurais répondu à cette question. Si vous avez d'autres questions, c'est en commentaire. Et puis moi, je vous laisse, c'était Walter. Je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Allez, bye!